Bonjour, je m'appelle Edith et suis bénévole dans MyPost. Nous aimerions bien interviewer l'imam Dr Zaid qui vit à Paris. Nous avons des questions sur le thème « Vivre avec le sida en tant que musulman et en tant qu'homosexuel ». MyPost est un projet de membres de Etzhilfe Offenbach, association d'entraide et de support de gens vivant avec le VIH et le sida. MyPost veut donner une voix à des gens de racines non germaniques et parfois non germanophones. En tant qu'imam, nous vous demanderions de bien vouloir donner vos commentaires à des questions formulées par des engagés du projet MyPost. Les questions ont à voir avec les relations individuelles au domaine de la religion, la croyance et la spiritualité. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahel, j'ai 38 ans, je suis né à Alger, je vis aujourd'hui à Marseille, je suis théologien de la libération par rapport à l'islam et aux minorités sexuelles. J'ai aussi fait un doctorat de psychologie et un doctorat d'anthropologie sur la question des discriminations fascistes envers les minorités sexuelles et ethniques et religieuses. Donc, voilà les questions. L'infection VIH est-elle une punition divine? L'infection VIH est-elle une punition divine? Oui. Alors, bonne question. Pour moi, la religion doit être un facteur d'émancipation qui, dès le début, selon moi, a été fondé par souci d'encourager le bien-être et le respect des individus. Pour moi, l'islam n'est pas un système fasciste qui va tenter de contrôler les individus, de les punir. Ça, c'est du fascisme, que ce soit religieux ou pas, quelle que soit la façade qu'on met devant, ça reste toujours du fascisme. Donc il faut condamner ce fascisme, cet autoritarisme, cette discrimination d'où qu'elle vienne, et faire la séparation stricte entre système politique, idéologie politique, et spiritualité en tant que philosophie de vie qui nous inspire une éthique humaniste, inclusive, qui inclut tout le monde, y compris les homosexuels, les séropositifs, etc. Donc pour moi, de dire que l'islam n'existe pas finalement en tant que tel, c'est nous qui créons l'islam au quotidien. L'islam condamne les séropositifs ou dit que c'est une punition de Dieu. Pour moi, c'est une arme que des gens ignorants ou mal intentionnés utilisent pour justifier de leur sérophobie. Sérophobie, vous comprenez quand je dis sérophobie? Oui. La phobie contre les séropositifs. Maintenant, plus concrètement, il y a beaucoup de traditions du prophète qui. Les hadiths, comme on dit en arabe, tradition du prophète de l'islam, sur l'une avec l'édition et la paix, qui nous disent qu'il faut encourager les gens à soutenir les malades, que c'est un devoir pour les musulmans de soutenir les gens qui sont malades, de les aider à se soigner, quelle que soit leur religion, leur origine ethnique, etc. Donc, non seulement ça n'est pas dit dans l'islam que c'est une tradition, mais en plus, c'est en contradiction. Ce genre de condamnation avec les principes éthiques humanistes de la tradition islamique. J'ai entendu ? Oui, je vous pose la deuxième question. Se peut-il que le VIH, SIDA, sont un diable ou bien un mauvais esprit ? Ah, c'est intéressant cette question. Est-ce que le VIH, SIDA est dû à un diable et à un mauvais esprit ? Vous savez, j'étais en Inde, autour du monde, des enfants du sida en 2008 et 2009,
On a travaillé avec, dans 29 pays du monde pour cette association pendant 2 ans. J'étais responsable d'un projet. J'ai vécu dans plein de contextes différents. Et en Inde en particulier, les gens disaient que c'était dû à un mauvais karma. Au Kazakhstan, les gens n'étaient pas du tout croyants. Et pourtant, ils considéraient que les enfants, même les enfants qui avaient été contaminés par, les hôpitaux à l'époque, étaient coupables aussi de leur séropositivité. Alors, c'était des bébés de 6 mois, même pas. Donc, là encore, malheureusement, c'est un préjugé qu'on essaye de justifier par la sacralité de la religion. Et pour moi, c'est un crime. Et c'est en totale contradiction, encore une fois, avec les valeurs éthiques de la religion. Quand le Coran parle d'esprit malsain, en fait, c'est une partie de nous-mêmes, je pense, c'est une métaphore, en relation avec une partie de nous-mêmes, qui va considérer que l'autre est inférieur s'il est différent. Il y a un très beau verset du Coran qui dit que nous sommes tous égaux et que la diversité est une chance et une bénédiction, que Dieu a décidé de nous créer différents et qu'il faut se respecter les uns les autres parce que c'est dans la différence qu'on apprend à se connaître soi-même et à connaître les autres. Donc encore une fois, de dire que parce que les autres souffrent ou parce que les autres ont des comportements différents, ce sont des diables, c'est justement l'argument qui, selon le Coran, a été utilisé par Satan pour justifier de sa supériorité par rapport à l'être humain. Et Dieu a condamné Satan en disant qu'il ne fallait pas appliquer de discrimination en fonction de la nature des uns et des autres. Donc très concrètement, l'éthique islamique, encore une fois, par ces métaphores qui s'adressaient à un peuple illettré et superstitieux, a utilisé les valeurs et les, comment dire, les personnages des histoires traditionnelles des Arabes, des tribus arabes de l'époque, pour déconstruire les préjugés. Donc il ne faut surtout pas reconstruire des préjugés en utilisant ces superstitions qui sont vieilles de 1400 ans. On ne peut pas justifier des discriminations en se réclamant musulman. C'est en totale contradiction avec l'éthique islamique. Merci. La prochaine question, est-ce que Dieu m'aime moins parce que j'ai une infection VIH? Non, je pense que Dieu nous aime plus quand on arrive à comprendre que toutes les épreuves qui ne nous tuent pas nous grandissent et peuvent potentiellement nous aider à devenir encore plus humains, encore plus ouverts sur les autres. Et je vois, moi, dans mon expérience avec les jeunes séropositifs et les enfants séropositifs, que ce sont des gens qui, en général, sont merveilleux, qui sont dans beaucoup de questionnements, qui souffrent beaucoup peut-être à une époque, certains plus que d'autres, mais qui se posent plus de questions par rapport aux discriminations. Ce sont des gens que j'ai rencontrés dans tous les pays du monde que j'ai visités, qui veulent devenir médecins, avocats, pour aider les autres par rapport à ces discriminations. Donc je pense qu'on aurait, on devrait prendre exemple sur ces jeunes et ces moins jeunes qui sont séropositifs, parce qu'ils ont plus de valeurs humaines et tolérantes que des gens qui sont soi-disant plus en bonne santé, mais qui pratiquent plus facilement la discrimination. Oui, merci. Est-ce que Dieu m'aime moins parce que je suis homosexuel? Non plus. Le Coran ne parle jamais d'homosexualité, il cite toujours les sodomites, mais les sodomites violés, les hommes, mais aussi les femmes. Et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés, c'est très clair. Ceux qui disent que l'homosexualité est condamnée au Coran sont soit des menteurs, soit des ignorants. Et en plus, il y a des traditions du prophète, des hadiths, qui nous disent que le prophète du jugement accueillit chez lui des hommes efféminés, des mohammedans, androgynes, des hommes que d'autres voulaient tuer par homophobie, par transphobie, on dirait avec un vocabulaire moderne aujourd'hui, et le prophète les a protégés. Donc être un bon musulman, c'est protéger les minorités sexuelles, ça n'est pas les condamner. C'est ça l'éthique du Coran, et c'est ça l'enseignement de Dieu, le message de Dieu pour nous. Monsieur Zayed, nous vous remercions de vous avoir déclaré prêt à répondre à nos questions et à vous faire part de vos commentaires. Merci.
Merci infiniment et bon courage, c'est un très bon projet. Oui, je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.